Bienvenue sur Fréquence Métal, on est reparti pour une matinale et là j'ai le bonheur d'accueillir Clément. Comment vas-tu Clément ? Salut, comment ça va ? Écoute, le réveil le matin, comme d'habitude, on est là, on est présent. La story ressemble bien vraiment à ce qu'on était ce matin. Je veux dire, je suis toujours dans mon lit, hein, j'ai pas changé de position. On est dans des états plus vraiment possibles, c'est plus très propre à ce niveau-là. Alors du coup, on a déjà Chouki dans le chat qui nous dit bonjour. Bonjour Chouki. Salut. Dis bonjour, Chouki. C'est bon? Ah, pardon, non, je me disais, je croyais que tu disais, tu disais à Chouki, dis bonjour. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est pour ça que je dis à Chouki, dis bonjour, salut. Chouki. Non, mais t'as un problème. Salut, bon. J'ai dit salut, bon. Déjà. alors attends, je suis en train de préparer des chansons, tout simplement.
Du coup, on va commencer en douceur. La bonne nouvelle que tu as eue, qui t'a mis en joie hier, c'était quoi? La bonne nouvelle qui m'a mis en joie hier. Ouais. Bah, j'ai réussi à faire mon design pour les projets, la découverte musicale au bout de 4 jours. Salut Chan, bienvenue. Pareil dans le chat, n'hésitez pas à donner nous la bonne nouvelle d'hier. On commence par ça permet d'arriver sur un truc un peu joyeux. Moi, la bonne nouvelle d'hier, c'est que je vous ai normalement préparé une surprise pour aujourd'hui. Toi, Clément, tu es au courant, mais encore parce que tu as insisté lourdement hier, sinon tu n'étais pas au courant. Lourdement. Ah, lourdement, cet homme n'a pas arrêté. J'en suis à 48 messages et 52 coups de fil en moins d'une heure, il faut le savoir. De toute manière, si t'es pas d'accord, je te couperai au montage et on n'aura pas ta réponse. La dictature. Oh, attends, je suis en train de dire. Ma bonne nouvelle de ce matin, c'est quand j'ai appris que Wuhan était enfin déconfiné. Oh putain, ah oui, si le. Ah, pas mal. C'est-à-dire que le patient zéro est déconfiné. C'est beau. J'espère qu'on Le va peut-être patient enfin zéro est sortir mort, je de. pense. Ah, non, arrête, ils sont pas méchants. La ville est déconfinée, ça se trouve, ils sont vivants, tout ça. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'était l'épicentre de ce truc C'est cool, où. ils vont pouvoir retourner au marché. Il y a un prix sur les chauves-souris en ce moment. C'est terrible. Il y a un truc trop sympa qui m'est arrivé hier, pas à moi personnellement, mais ça m'a rendu super heureuse. Eh ben écoute, Chouki, vas-y, balance. Plaisir. Du coup, je regarde si ma surprise est prête. Encore. Écoute, c'est pas bien grave. Alors attends, hein, je suis un peu à l'arrache. Par quoi on commence d'habitude? Putain, je suis défoncé ce matin, c'est une horreur. On dirait Bah, je... bon, il n'y a pas vraiment de début. que mon café, je l'ai bu avec l'huile de vidange, tu vois, c'est. J'ai vraiment du mal. Tac, tac, tac. Alors, attends, je suis en train de vérifier derrière. Bon, à part que les gens se foutent de moi. Je suis sur Discord et je suis des instructions. Non, je te vois pas sur Discord. Notre invité, il n'est pas là. Le chat, je vais regarder le chat. Hop. Voilà. Alors, ou choqué, on ne sait pas trop ce que c'était le truc cool qui t'est pas arrivé mais qui est arrivé aux autres. Il faudrait que tu nous le dises. Oh, si ça vient d'arriver. La fin de son live, Antoine Daniel raid à d'autres Twitchers et là, il a choisi un batteur. On avait 200 ou 500 viewers qui d'un coup. Putain, j'ai du mal à lire. Oh. Ouais. Qui du coup. D'un coup, 5 000 viewers et il était trop heureux, il n'en revenait pas et c'était trop sympa de voir sa joie et du coup découvrir un artiste trop bon, trop cool. Ah oh, putain, C'est oui, long. j'avoue. Bah déjà, 200 ou 500 personnes, moi je suis déjà content d'avoir ça en live. Je pense qu'on ne l'a jamais fait encore. Mais tu passes à 5 000 et en plus envoyé par Antoine Daniel, alors là, juste le bonheur, quoi. Et je suis sûr. Ah, excuse-moi, je dois tout lire en même temps. J'envoie un message de Ah oui, il est là. si tu. D'accord. Ok, Alors, du très coup, faux. avant que j'intronise cet invité, tu le vois, toi? Ouais, mais dans le channel écrit. Ah, mais non. Avant qu'on va se remettre une petite musique, parce que il faut que. Il faut vraiment que je vous l'introduise comme il faut. Alors du coup, je vais balancer un petit son, Clément, le temps qu'on règle ça. Oh, j'ai. Et j'ai un truc qui marche pas encore une fois. Putain, mais c'est quoi ce délire? Ah, j'ai ton truc de DJ qui est en train de me lâcher, j'ai l'impression. C'est pas vraiment un super bon programme pour un mec qui est pas réveillé le matin. Alors attends. Okay. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On déprime pas. Ah non, mais je sais pas, c'est comme s'il y a une piste. Et bah non, c'est le. Ouais, Oh, c'est. faut peut-être que je fasse une mise à jour, hein, ces quatre. Je ne
sais pas, c'est bon, voilà, c'est pas la chanson que je voulais, mais du coup, je vais vous en passer une autre. Et puis voilà, on va y arriver. Alors, excusez-moi pour le galère, mais bon, c'est qu'on attendait l'invité. Du coup, je vous balance la chanson et je vous explique après. Et donc voilà, la petite surprise, c'est que bah, vous avez pu le reconnaître, c'est encore Beyond Remains, parce que c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Et ce matin, tout simplement, j'ai pu vous avoir Pierre, qui est le guitariste et le chanteur de ce groupe. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Pierre ? Ben, ça va très bien, merci à vous. Ça va nickel. Par contre, je suis un peu dégoûté parce que j'avais votre mix sous la main de The Rhythm of the Night.
Sauf que la machine n'a pas voulu le passer. Donc, je suis un peu dégoûté pour toi, je suis désolé. Pas de souci, saleté de machine. C'est ça, c'est que... Non, mais c'est un truc ouf qui nous fait marrer pendant les quotidiennes, c'est que tu sens que je suis tout seul dans le matos parce que le PC me fait toutes les misères du monde. Il y a toujours un truc qui ne veut pas fonctionner, ça me tue. Ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis est-ce que Pierre s'appelle réellement Guy. Ça, c'est de la référence. Mais je le connais, c'est mon petit frère en plus derrière, donc forcément il l'a. J'avais une question à te poser avant de partir dans une autre connerie. Pourquoi The Rhythm of the Night? Pourquoi avoir fait cette reprise? Allô? Voilà. Et quand on a vu la montée du corps. Attends, Pierre, ça coupe de ouf. Attends, je te bouge, je te fais revenir, on va voir. Allô, Pierre, on réessaye. Oui, je disais du coup le... T'es en push tout au coup, t'es en micro ouvert? Non, je suis en micro ouvert, là. Ah, d'accord, j'allais dire, sinon fais des phrases plus courtes, parce qu'il semblerait que ça bug un peu. Mais c'est pas... Ok, bon. Non, mais je disais, le groupe qui a fait... Ah, c'est... Moi, j'entends rien. Ah là 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 là. Pierre ouais. Ouais. Ça coupe sans arrêt, c'est horrible. C'est comme si t'avais... T'as dit deux mots, ça a coupé. La connexion de ce matin, c'est... Changer de cause, si vous voulez. On peut essayer, ouais. Ouais, ouais. À tout de suite. Donc, du coup, Clément, on va peut-être essayer d'enchaîner pendant ce temps-là. Yes, vous m'entendez? Ah oui, beaucoup mieux. Attention, deuxième test. Hier, on a dit qu'on t'entendait, mais là, on ne t'entend plus. C'est terrible. Ouais, je reçois 15 minutes. Je suis co sur un autre, une autre connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne vous entends pas du tout. Là, moi, je t'entends, ouais, par contre. Tu m'entends pas? Le live se met. Tu m'entends? Tu m'entends pas? Ah, attends. J'ai rebooté tout le monde avec un peu de chance. On va s'entendre. Pas l'air de mieux marcher. Pierre, est-ce que tu nous entends? J'ai l'impression de faire un. Je sais pas, vous avez déjà vu ça? Clément, t'as dû voir ça. Mais tu sais, le journaliste, il a l'autre bout du monde au Paris-Dakar. Ah oui, ouais, les... Javel, est-ce que vous m'entendez, Javel? C'est duplex. C'est ça, c'est trop ça. Et ben du coup, on a Pierre en duplex, mais... Pierre, oh ouais, non, vous m'entendez ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, là, je t'entends, ouais. Mais en fait, il est sur l'appli Internet, je crois, et l'appli Internet a bug. C'est comme toi, de la dernière fois, t'as eu un problème. Je sais pas si tu te rappelles, Gilles. De coup, faut qu'il déco reco. Bref, ouais. Bon, du coup. Oui, enfin, peut-être qu'on commence l'émission. Je suis avec vous. Ouais, cool. Je vais dire. Ouais, mais Pierre, tu ne nous entends pas, je crois. Je vous entends. Nous entends. D'accord. Alors, je vous entends enfin. Ouais, je pense que tout simplement, tu as dû prendre le. Tu dois être sur une application internet et pas sur l'application installée, donc du coup elle a des foirades des fois. Ça dépend. Ouais, ça doit être ça. Du coup, The Rhythm of the Night, qui a eu l'idée? Écoute, on a eu l'idée à trois, c'est-à-dire moi, Max le batteur et notre ingénieur son. Et ouais, c'est parti d'une connerie, c'est parti du coronavirus. Comme le groupe s'appelait Corona, bah on a voulu à ça entre guillemets. Et voilà. Bon, après, aujourd'hui, vu l'ampleur que ça a pris, on dédicace plutôt ce morceau à tous ceux qui se battent contre la maladie. Mais voilà, là-bas, ouais, c'est vraiment parti d'une connerie. Elle est grave cool, la reprise. Pour le coup, ouais. C'est une connerie qui donne un truc cool. Ça fait vraiment plaisir. Bah, on a essayé de faire quelque chose de propre, entre guillemets, quoi. Voilà, et on était content du résultat, donc on l'a publié. Parce que j'avoue ça vous a pris combien de temps, du coup? Dire que la composition nous a pris 10 minutes. On a gardé les mêmes paroles, la même ligne de chant vite fait, et puis il y a juste eu les rythmes, et puis à la mettre à la bonne tonalité et à composer un peu la batterie dessus. Mais on va dire 10 minutes au niveau de la composition, et puis
enregistrement et mixage, on va dire 2-3 jours. Ok. Ça a encore un peu de mal, hein. Ça rebug un peu, Pierre. Je sais pas Moi, je sais pas, non, je l'ai eu en entier, moi. Ah, d'accord. Du tout pour moi. Ça va. Ça coûte que chez moi, donc c'est pas bien, là, au final. Pierre, j'avais une. Bon, comme je t'ai dit, hein, normalement, on ne fait pas d'interview pendant le. Mon confinement, parce que t'as bien vu au micro la qualité que ça donne. C'est vrai. Donc là, j'ai un peu réduit la connexion à tout ce que j'avais par chez moi. Du coup, je t'ai préparé une fausse interview. Ça s'appelle Garde ton calme. Est-ce que ça te tente ? Allez, vas-y, on essaye. Du coup, c'est quoi ton prénom ? Pierre. J'ai pas entendu la réponse, en fait. C'est terrible. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre B-L-O-N-D. D'accord. Et ça te plaît comme prénom, sérieusement ? En vrai, ça me plaît, ouais. Je me serais pas vu m'appeler autrement, tu vois. D'accord. Mais du coup, en vrai, c'est quoi ton métier ? En vrai, non. En vrai, je suis de musique et je suis créateur de vidéos. D'accord. Et ça paye tout ça ? Plus ou moins, on va dire. Ça commence à payer. D'accord. Donc en fait, on est d'accord que quand tu t'es lancé dans la guitare le chant, c'était juste pour attraper des gonzesses. Purement, simplement. C'est long à apprendre la guitare ? Non, si on veut jouer tranquillement, ça peut aller vite. Si on veut vraiment pousser à... J'ai pas eu la réponse, je suis désolé. Ça t'a pris combien de temps ? Moi, la guitare, ça m'a pris... Allez, ça fait 15 ans. Et comment ça se fait que ça t'ait pris autant de temps, quand même ? Parce que je suis blond et très mauvais. Je te dis, elle est spécialisée pupute, celle-là. T'aimes quoi comme musique ? En vrai, j'écoute beaucoup de tout, donc... du rock, du blues, pas mal de... Alors Clément, il faudrait que tu me dises quand il a fini de répondre ses questions, parce que là, moi, j'entends plus. J'ai pas entendu, là. J'ai pas entendu. Vous m'entendez, là ? Ouais. J'écoute de tout, donc particulièrement du métal, forcément. Tous ses dérivés. Putain, j'entends rien. Je crois que la prochaine fois, je leur demande d'installer l'application, parce que là, par internet, ouais, c'est juste impossible. Je pense que l'appli, c'est pas quoi. C'est compliqué. Là. Hop. Alors, Repierre, tu es là ? Yes, je suis là toujours. Bah, d'accord. On va essayer d'enchaîner. On va demander 15 fois la question, t'es là. Ah non, mais j'entends rien, c'est une horreur en fait. Ça te coupe sans arrêt. L'application internet, elle est à chier, elle doit être over blindée de gens. Du coup, le métal, tu trouves pas que ça fait que crier ? Que le métal, ça fait quoi ? Que crier en fait ? Ça chante pas vraiment. Ça dépend, parce que moi je chante et je crie, donc comme je fais les deux, ça va, je trouve que ça fait une bonne balance. Mais tu trouves pas que les métalleux, ça fait flipper dans le fond ? Ça dépend desquels. Il y en a qui ont pas des bonnes têtes quand même. Bon, je vois que tu restes calme quand même depuis le début de cette interview. Comment tu fais ? Pour rester calme ? Yoga. Bon, tu peux le dire, hein, si en fait c'est juste que je t'impressionne quand même en fait. Ah ouais, en vrai, je suis assez impressionné. Je suis là, ça se voit pas parce qu'on n'a pas mis la cam, mais je suis assez impressionné. J'arrive pas à rester sérieux. Tu aimes la radio ? Quoi ? J'ai pas compris, ça a coupé. De quoi ? Est-ce que tu aimes la radio ? J'aime la radio. Ouais, en vrai, j'aurais bien aimé en faire mon métier, la radio, carrément. D'accord, mais t'es le genre de mec qui écoute la vraie radio ou qui reste sur les grosses têtes ? J'ai pas entendu la fin, ça devait être horrible. T'aimes la vraie radio ou alors t'es le genre de mec qui écoute les grosses têtes ? Les grosses têtes ? Non, j'aime bien la vraie radio. Tu connais Fréquence Métal ? Oui, forcément. Depuis peu, mais je connais. Tu crois vraiment qu'ils ont de l'avenir, ces deux cons ?
Vous passez quelque chose moi, de cool, là, clairement. Bon, c'est pas que ça m'intéresse vraiment, mais est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour finir cette interview ? Un dernier mot à dire ? Eh ben, si, bah déjà, merci à vous, les gars, de m'inviter, de nous avoir passé, de nous avoir présenté, parce que... Parce que ça comme coupe. Nous, groupe... Allô, allô, Pierre ? Pierre, je te déco... Attends, bouge pas. On va recommencer ton dernier mot. Hop ! Et voilà, c'est reparti, Pierre. Tu peux y aller. Vous m'entendez ? Ouais, beaucoup ouais. Mieux. Cool. Non, je disais déjà, bah, merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour le travail que vous faites et puis de nous avoir présenté hier. Donc... Puis ça nous aide beaucoup en tant que groupe. Alors, même si ça coûte de partout, je dois te féliciter. Parce que t'es resté calme, t'es resté avec un calme olympien, alors que je t'ai sorti les pires saloperies du monde. Bravo quand même. On peut l'applaudir dans le chat. Hein. Franchement, dans des conneries, je pense que moi, j'aurais craqué. C'est marrant cette petite chronique là. Merci, merci. Écoute, moi je pense que je vais préparer des petites interviews comme ça, mais qui n'auront rien à voir. Les vraies interviews, on les garde pour les vraies émissions. Et bon, t'inquiète pas. Je trouve ça marrant à mettre dans notre émission. Je sais pas, on verra. Voilà, on te fera revenir avec ton groupe pour une vraie truc. Du coup, il y a une question, il y a un petit truc auquel tu n'as pas participé en début d'émission. On demande aux gens de nous donner la bonne nouvelle qu'ils ont eue hier ou la chose qui leur a créé de la joie hier, tout simplement, pour s'en rappeler et rester dans le good move. Toi, hier, c'était quoi ta bonne nouvelle ? Oh, mon petit truc joie d'hier, eh ben, tu sais quoi, j'ai fait une raclette en terrasse, sous le soleil. Oh, le salaud. Ah ouais. il nous met une base à tout le monde là. Ah ouais, là tu fais bien de me la demander aujourd'hui, la petite raclette en terrasse, tu iris. Ah l'enfoiré quoi, toi, non mais j'aime beaucoup ce qu'on... Bon, ça a fait rire beaucoup de gens. Par contre, Crook, il va falloir que tu te calmes sur les clac-clap, sinon je vais être obligé de te ban pendant une journée, parce que ça s'appelle du spam. Je pense que t'es en train de faire des envieux, hein. Ça commence à crier raclette dans le chat. Hein. Il y en a qu'on fait. Ça, c'est bon. Ah non, mais le fromage, voilà. Du coup, Clément, est-ce que tu as quelques petits trucs de prêt et, comme ça, je balance une petite zik et puis on revient un petit peu en force. Ouais, mais une zik, on revient après. Ok, bah c'est parti. Alors du coup, je vais gentiment vous descendre vers le bas. Rien de sexuel, les gars, je vous préviens. Juste dans le chat d'en dessous, tout va bien. Hop. Et nous, on va se lancer tout simplement un petit esprit d'escalier parce que ça fait longtemps et que c'est toujours bon. Écoutez.
Vous êtes toujours sur Fréquence Métal et vous étiez en train d'écouter Esprit d'Escalier, un très bon groupe. D'ailleurs, petite question, on est donc le 8. Est-ce que vous savez quelle est la journée d'aujourd'hui? Est-ce que Clément a une idée? Ah oui, je ne veux pas le dire. Bon, bah, Pierre, Pierre, tu as peut-être entendu en bas, mais est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? 8 avril? Ouais, et c'est aussi la journée du radis, les gars. Alors, je savais même pas que le radis avait sa propre journée. Moi, ma vraie question que j'aimerais poser au chat et à vous deux, c'est est-ce que aujourd'hui le radis est pas un peu surcoté? Parce que quand je vois des radis sur les tables d'apéro, moi, j'ai l'impression qu'il a rien à y foutre. Mais bon, voilà, c'était juste ma façon de penser. Du coup, Clément, qu'est-ce que t'en penses, toi, du radis? Moi, je pense que c'est clairement sous-coté, parce que le petit radis avec une petite sauce mayo, là, c'est top. Oh putain, je peux pas. C'est trop bien avec la petite sauce cocktail là, c'est nickel. T'sais, on parle de Rudy, de radis, hein, pas de truc au crabe, hein. C'est le légume. Ouais. D'accord. Ouais. Plus jamais je t'invite que à la. C'est qu'un légume quand même. T'es sûr? Pierre, du coup, pour toi, le radis c'est surcoté ou ça a rien à foutre dans un sujet de radio? Non, moi je pense qu'on peut parler du radis même sur la radio, je vois pas pourquoi on ferait des exceptions. Non, mais moi j'aime bien en vrai, donc ouais, mais pas tout seul, tu vois, si tu mets que du radis, ça fait creuser beaucoup de choses, mais... Ah mais bien sûr, moi, j'aime bien le radis est accompagné. Je suis le seul, en fait, j'ai remarqué que même le chat est pro-radis, je suis le seul à pas aimer ça, quoi. Moi, non, le goût, j'accroche pas, je suis désolé, J'en ai peut-être trop bouffé quand j'étais petit, mais voilà. Non, mais c'était juste pour la blague. C'est le jour du. Je voulais voir quel jour on était aujourd'hui. Il y a eu plein de faits historiques, il y a eu plein de batailles, et ils ont mis ça au jour du radis. J'étais là en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Quel historien a pété un plomb, tu sais? Donc voilà. Ah, j'aime bien, c'est que tu sais, t'as 200 ans de guerre anglaise, t'as des dates super importantes. Ils ont aussi signé le décret de Évian. Pas mal de fins de guerre ont été signées là ce jour-là, en fait, il y a des années. Et ils ont déclaré que c'était le jour du radis. J'ai l'impression que les mecs se foutaient de la gueule de tous les autres avant, quoi. C'était un peu ouf. Du coup, Clément, tu m'as dit que t'avais un petit truc pour nous. Une petite anecdote. Bah, je vous ai préparé 2-3 anecdotes, comme tous les jours. Du coup. Hop. Alors, oh merde, putain. Alors, attends deux secondes. Je la retrouve. Dans le chat, il y a un gros débat sur le beurre salé. Il n'existe que le beurre salé. Je suis d'accord avec vous. Le beurre doux, je sais pas. Non, je sais pas. Je préfère un bon vieux beurre salé, quoi. Ah oui. C'est bon. Vas-y. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, tu te rappelles, il y a 2-3 émissions, on avait parlé des métiers improbables. Que certains musiciens faisaient. Ouais. Et on n'avait pas cité ce groupe, mais je suis tombé sur cette anecdote. Ça parle du groupe punk Berrurier Noir. Oh merde! Les Berruriers. Oh vas-y, dis-moi, je kiffe ouais. Le groupe en plus. Et non, c'est un groupe punk hein, qui a, dans les années 80, a dominé hein, carrément le monde du punk. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah bah, Les Berruriers, pour moi, ils ont même ouvert les portes à pas mal de groupes d'ailleurs. C'est que il ouais. Y a des groupes aujourd'hui qu'on aime beaucoup qui, sans les Berruriers, n'ont jamais vu le jour. Mmh. Et je pense que tu as remarqué, mais il y a énormément de morceaux des Berruriers qui parlent de l'Asie du Sud-Est. Ah ouais? Ouais. Si tu écoutes les paroles, tu verras qu'il y a beaucoup de morceaux qui parlent de ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que le chanteur, François Guillemot, c'est un passionné par cette région. Et aujourd'hui, il est historien et ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste du Vietnam. Oh putain. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, j'avoue, le mec historien et le week-end, il va se foutre la tronche sur scène. J'avoue, c'est assez ouf, en fait. C'est génial. Non, t'en penses quoi, Pierre? Ah, j'ai perdu Pierre. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Oui, c'est ça, on t'entend vaguement au loin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on t'entend. Non, je disais, c'est fou. C'est complètement fou. Le gars chercheur au CNRS qui va jouer du punk le samedi soir, c'est génial. C'est, ouais, c'est ouf. J'ai connu, alors pour l'anecdote hein, complétée, j'ai connu une demoiselle comme ça qui était chercheuse au CNRS et reconnue. Donc, genre une. Bonne tête, c'est-à-dire qu'elle était très très douée dans ce qu'elle faisait. Et le week-end, elle était mannequin fétichiste.
D'accord, hein, c'est particulier, effectivement. Voilà, et le décalage me faisait rire parce que elle faisait donc des photos Shibari, cuir, machin pour des marques le week-end. Parce que, il faut savoir, mais dans le monde de la mode, si un jour tu veux percer et que tu n'as pas de complexe là-dessus, passe par le monde du fétichisme parce que c'est beaucoup plus facile d'y rentrer que dans la vraie mode. Il y a beaucoup moins, bizarrement, il y a beaucoup moins de, comment dire, de cases et beaucoup moins de prises de tête. Ils sont moins casse-couilles sur le physique et compagnie que la vraie mode, en fait. Donc, elle faisait ça le week-end et elle remettait sa blouse blanche le lundi et elle allait chercher des trucs contre le cancer, contre le machin. Elle modifiait des souris génétiquement pour les rendre fluo. Enfin, t'es juste là, moi, si ses collègues savaient. je sais pas, il y avait un décalage qui me faisait mourir de rire. Parce que quand elle racontait, ses collègues étaient tous propres sur eux, tous des génies, des machins. Et tu fais. En fait, tu sais pas qui se cache derrière cette blouse. Donc voilà, c'est ma petite anecdote sur. Voilà. Pierre, est-ce que tu as eu quelqu'un comme ça, toi aussi, qui a eu une vie avec un boulot un peu, on va dire, à part, entre guillemets? Du tout. Si tu veux, mon batteur, Max. Ouais, mon batteur, Max. Il fait partie de Beyond Remage et il bosse chez Leclerc. Ah bah oui, on a tout. Bah oui, non mais les musiciens qui n'ont pas de taf alimentaire, c'est en France, c'est rare. Hein. Je crois qu'il n'y a que Massisteria qui arrive à. En groupe français, il n'y a que Massisteria. Enfin, purement français, il n'y a que Massisteria qui arrive à se payer. Hein. Bon, il y a quand même pas mal maintenant. Ouais, mais voilà. Il y a Chan qui dit il y a eu un scandale comme ça, une prof, parce qu'une oui. prof faisait du catch le week-end et ça a choqué les parents. Mais on s'en fout, en fait, genre, elle catche pas tes gosses, donc à partir de là, tout va bien. Eh, franchement, moi, ça me ferait marrer. Hein. Mon gosse, il a fait une connerie, elle lui fait une clé de bras, elle le fout par terre, moi, je suis mort de rire. Hein. C'est, je me jette par terre et je fais le compte de 3. Hein. Mais... bon, après, je suis un gros fan de catch, hein, mais en vrai, mon gosse, je suis en mode, hey, sors-toi de là, 1, 2, t'as perdu, je m'en bats le couille. Un autre choc aussi, le mec le plus tatoué de France, donc ça va être le remplaçant du zombie guy, est aussi un prof. Il est professeur. Excellent. C'est ouf. Du coup, ça part. Salut. Ça cool. On va dire bonjour à Yuzu qui vient de débarquer complètement à la rush. Salut Yuzu. On vous rappelle le chat que si vous voulez parler, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous voulez passer une petite, un petit coup de gueule ou un petit coup de machin, c'est le moment ou jamais. On a un serveur Discord rien que pour ça. Bon, on vous conseille d'installer l'appli parce que ça marche quand même vachement mieux. Mais sinon, il y a un peu de chance que la connexion va revenir et ça va tenir ce matin. Du coup, voilà. Tiens, petite question con, Pierre. Le boulot le plus, on va dire, décalé ou plus chelou que t'as fait, c'était quoi? Décalé ni chelou, mais j'ai bossé dans une piscine d'extérieur. D'extérieur. Ouais. Ah, oh, cool. J'ai pas entendu. Tu faisais quoi dans la piscine d'extérieur? Les entrées, et je faisais maître nageur aussi. Enfin, je surveillais un peu l'eau, et je ramassais les poubelles aux alentours, et je faisais les entrées. Ah, oh, cool. Et les chiottes, accessoirement. Ouais, moins cool. Moi, il faut toujours qu'il y ait un côté chiant dans les trucs. Clément, t'as eu quoi, toi? J'ai... L'été dernier, je travaillais dans un entrepôt pour une maison de bricolage, là. Je sais plus le nom, c'est Brico, je crois, tout genre. Et y a des journées, on vidait des conteneurs, en gros, hein, pour faire court. Il y a des journées, en fait, on se tapait des conteneurs à vider, c'était des chiottes, quoi. Ok. Ta chaîne qui fait, moi, mon premier job, c'était au Puy du Fou. J'étais costumé façon 1900. Ça devait tellement être la classe, ça, par contre. Oh, c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien, en vrai. On est jaloux. Non, moi, le boulot, peut-être un des plus baisés du casque que j'ai eu. J'ai bossé, pareil, dans une grosse marque française de fabrique de meubles. Et en fait, il faut savoir, c'est que le week-end, j'étais juste embauché. J'étais en supplément le week-end. Et je faisais les sorties, c'est-à-dire que les mecs préparaient les commandes, et moi j'aidais les gens à mettre dans les coffres, et je touchais les sous. Parce qu'ils avaient remarqué que j'avais le sourire commercial, et ça allait. Donc du coup, au début, ça allait. Après, ils m'ont fait venir en semaine, et un jour, il y a eu un meuble qui est arrivé, et en gros, il y avait une porte qui était défectueuse, mais pas assez défectueuse pour qu'ils renvoient le colis au fabricant. Du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu peux péter la porte?
Moi, à l'époque, je faisais du karaté, j'installe la porte comme il faut, coup de pied, plaque, ça casse, tu vois. Et en fait, mon patron, il a vu ça en mode « Ah, c'est bien !» Du coup, après, pendant une semaine, j'ai passé ma vie à péter des portes et à faire des trucs, mais à un point que des fois, je mettais la planche dans le broyeur et je sautais sur la planche à pied joint, broyeur allumé, pour être sûr que la planche pète. Quand j'y reprends, je me dis « Je suis à péter du casque, j'aurais pu me faire broyer les jambes et tout. » Mais bon, voilà, c'était un petit peu barge à l'époque. Mais ça marchait bien. Et le pire, c'est qu'ils m'ont bien payé. Et la blague du truc, c'est que j'ai tellement marqué les esprits là-bas, j'y suis retourné il y a, donc, je crois, peut-être 10 ans après, un truc dans ouf, pour acheter un meuble, un lit, et puis machin, je retape à une chambre. J'ai vu un ancien chef me tomber dessus, me parler, me reconnaître, direct, bonjour monsieur Moindron, j'ai fait oh merde. Et en fait, quand je suis passé en caisse, il m'avait demandé à la caissière de me faire une réduction de 10%, la réduction employée 10%. C'est trop bien. J'étais mort de rire. Mon ancien chef, mon ancien gars avec qui je bossais, c'était devenu un chef, et c'est lui qui est venu tout foutre dans ma bagnole, en mode « Ah non, mec, tu touches à rien, tu fais partie de la famille », donc c'était génial. Mais j'avoue que quand j'y repense, j'ai fait des trucs de bâtard là-bas. Tu sais, il y avait des étagères genre de 6 mètres de haut, tu sais, les grands trucs où tu stockes carrément du carton entier. Je me souviens d'une fois, il fallait tout décaler d'une étagère pour les stocks, tu vois. Et nous, au lieu de descendre les colis et les remonter avec l'autre gars qui bossait avec moi, on s'était foutu en haut des étagères et on se jetait les colis d'une main à l'autre. On aurait pu se péter la gueule et se péter le dos, tu vois, mais comme des trous de balles. Et je me souviens que t'as le PDG, il descend, il nous regarde, il fait « Oh putain !» Et il repart. Juste, il était... voilà. Mais voilà, c'était des trucs où j'étais payé à l'heure et je faisais un tas de conneries, c'était immonde, quoi. Là, ouais, c'est de l'intérim que tu faisais. Je sais pas, moi, c'était ça, là, l'été dernier. Ouais, c'est ça, c'était de l'intérim, moi. Ouais. Mais à l'époque, mon époque, je sais pas, parce que t'as quel âge, Pierre, d'ailleurs, en parlant de ça? J'ai eu 24 ans, il y a pas longtemps, là. Ah putain, il y a que des minots, ici. moi, j'en ai 34, hein, c'est bon. Moi, j'ai connu une époque un peu plus vieille que vous, donc 10 ans avant. Pour l'intérim, à l'époque où il y avait la petite baston Jospin-Jacques Chirac. Et putain, mais à l'époque, l'intérim, c'était juste un bonheur. Enfin, t'étais payé une blinde. C'était un truc de fou. Bah là, ça va, franchement. Cet été, j'étais pas dégueu. Hein. Vas-y, je t'en prie. Alors, je te disais, pour un mois, je crois que j'étais payé 1700, un truc du genre. Bon, ça va. Ça va. Alors attends, je vais baisser mon micro parce qu'il semblerait que je sature. Voilà, je remercie la personne qui m'a prévenu. Du coup, cool, installe-toi, Chouki. C'est bien, c'est que le chat. Ah, Chouki a fini son boulot. Du coup, elle a tout le temps de le passer avec nous. Du coup, est-ce que j'avais d'autres sujets à balancer? Bah non, pas vraiment. À part le jour du radis et mon truc à la con, j'en avais pas vraiment pour le coup. si, on va peut-être se faire une petite. Ça fait longtemps ou pas qu'on a mis une musique, une petite pause, j'allais dire. Comme ça, Chouki aura le temps de s'asseoir tranquillement pour nous entendre. Et je veux que vous reveniez avec tous les deux, chacun à votre tour, une idée d'un support à présenter pour que nos auditeurs passent la journée un peu plus facilement. Est-ce que ça vous va, les gars? Ouais, je suis lourd, chaud, motivé. T'es lourd? Mais il fallait pas manger cette raclette, Clément. Non, mais je l'ai pas mangée, justement. J'aimerais bien la manger. Je suis encore plus lourd après. Pierre, si quelqu'un en Essonne connaît des personnes qui vont manger la raclette. Ok, bon, alors je vous transfère. Je vais lancer un petit son. Je vais vous transférer. On va se mettre un testostérone parce que ça déboîte du poney. Et après, vous revenez chacun avec une petite idée. Thank you.
Et on est reparti, voilà, donc une petite dose testostérone, c'était tranquille, c'était tout doux. Normalement, mes deux invités sont revenus. Je ne sais pas pourquoi mon truc a sauté, je ne suis plus en mode streamer. J'entends les tolungs derrière, j'espère que vous les entendez. Du coup, Clément, est-ce que tu as quelque chose pour que le chat puisse s'occuper aujourd'hui ? Ouais, j'ai un livre qui s'appelle « Avec tes yeux » de Sir Cédric. Et c'est un livre un peu d'horreur. Enfin, pas d'horreur, mais en gros, c'est un mec qui, à chaque fois, fait des cauchemars. Et du coup, il est insomniaque, il décide de faire de l'hypnose pour régler ça, sauf que ça a réveillé un truc chelou en lui. Ce qui fait qu'en fait, il voit des meurtres à travers ses rêves, quoi. À travers les yeux des personnes qui sont en train de se faire tuer. Voilà, c'est joyeux, mais mais c'est une putain d'histoire. Ouais. Tu sais que si t'es fan de ce mec-là, j'ai peut-être une chance de pouvoir te le faire rencontrer. Oh, lourd. Parce que Sir Cédric, il fait partie des Hellfest Cult, et c'est un mec qui souvent rencontre... Bah, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Ouais, donc jour, tu vas vraiment le rencontrer. Je te dis ça, mais je n'ai lu aucun de ses bouquins. Et ouais, ce livre est très cool, pour le coup, si vous ne connaissez pas, allez voir. Bon, peut-être parce que je ne peux plus trop lire en ce moment. On va dire bonjour à Lino qui est revenu, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Bienvenue mon grand, écoute, installe-toi. Et profite, juste... on a encore une bonne heure à passer ensemble. Oui. Juste précise, hein, c'est un livre qui est disponible en audio description. Et aussi en version tablette là. D'accord. Ah, cool. Pour ceux qui ils sont comme moi, tu peux le dire. Non, c'est pas ça. Mais pour parce que je sais qu'on peut pas commander des trucs avec le confinement et tout, bah vous pouvez quand même l'avoir sur tablette là, en téléchargement direct. Ok. Écoute, moi je serais presque tenté de le prendre en audio description pour voir vraiment ce qu'il vaut parce que. Voilà, ça me claque en fait. C'est un truc. D'ailleurs, j'ai appris qu'on connaît quelqu'un qui bosse entre guillemets, dont la famille bosse dans l'audio description. Et du coup, je me demande si je vais pas leur proposer de faire des tests parce que je t'avoue que moi, ça doit faire maintenant 2 ans que j'ai pas bouquiné. J'ai même essayé de lire des BD, je peux pas et ça me manque. C'est un truc de fou. Ouais. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu auras proposé à notre chat pour qu'il s'occupe aujourd'hui? Écoutez, moi, je vais rester beaucoup plus classique, mais depuis le début du confinement, je me refais et ça occupe bien les soirées. Alors ça... tout, juste moi, ça sur le titre. Voilà, ça coupe tout. Ouais. Et ben voilà, maintenant, faut deviner. Alors, tu te refais, c'est un classique. Non, j'ai trop d'idées sales. Vas-y, dis ta réponse. Je me refais tous les films Marvel, en fait. Oh. Ah oui, putain. Je suis bien. Ah, bah oui, grand classique. Alors, j'ai du coup, que... ça occupe bien les soirées. Ouais, j'ai une amie, pareil, qui m'a pas longtemps, il m'a dit « Ouais, je me fais un peu chier. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils ?» Et c'est une fan de Marvel, et je lui ai conseillé toutes les séries Marvel qui étaient sorties aussi. Franchement, t'as de quoi faire. Bon, et puis, il y a de quoi faire. Le MCU Universe, en quelques années, c'est devenu un truc. Enfin, il peut t'occuper pendant un an, quoi. Alors moi j'ai envie de faire une série aujourd'hui, mais je vais faire une série Cocorico. Est-ce que l'un de vous deux connaît Last Man? Ouais. Connais Clément. Pierre. On a perdu Pierre. Perdu, cool. Est-ce que tu connais Last Man, Pierre? Parce qu'on t'entendait pas. Je connais pas du tout. Alors, Last Man c'est une série, je dis Cocorico parce qu'il est française. D'ailleurs, c'est cette série qui a permis d'ouvrir la truc Creapils. Je ne sais pas si tu connais Creapils. Ouais, c'est la plateforme. Ouais, voilà. J'attendais la réponse de Pierre, mais c'est un peu bloqué. Ouais, et Creapils, ça a amené d'autres séries comme Vermine, comme Pipoudou. Vermine, elle est sur Netflix pour le coup. Ouais, mais c'est une créa pile, c'est Bobby Pills aussi. Tu le sens. Ils sont assez pédéducaces. Et c'est notamment, donc, en gros, grâce à Last Man qu'on a eu Pipoudou. Donc, déjà, respect pour ça. Et alors, pour vous résumer, Last Man, c'est l'histoire d'un boxeur dans une ville, mais pourrie, moisie, en danger par la mafia.
Et il va se retrouver un peu dans une situation où il va se retrouver, pour sauver une demoiselle, confronté à un monde un peu parallèle, mais vraiment un peu parallèle, chelou, avec des gens qui sont une espèce de demi-dieux hyper dangereux. Mais on va toujours rester dans le relationnel de la boxe, c'est-à-dire qu'il va continuer à boxer, il va s'occuper, essayer de s'occuper de ses bestioles en même temps, comprendre ce qui se passe. Donc, le speech comme ça n'a pas l'air ouf, mais la force de cette série, ça va être ses dialogues, ça va être ses épisodes, parce qu'en 20 minutes, t'as l'impression d'en avoir regardé 40, tellement c'est bien dosé. Ses dialogues, parce que, putain, mais il y a des dialogues, t'es à mourir de rire. Et rien que ces dialogues qui te pourrissent, ils te font marrer, même déjà au titre de l'épisode. Je me souviens d'un des premiers épisodes qui s'appelle « Adana, t'es qu'un con ». Et tu commences l'épisode, oui. Tu fais « Ah !» Voilà. Ou l'épisode « Tu dis ça parce que j'ai une grenade ». Juste, voilà, t'es bloqué. Et Last Man, même si ça a été bien fait et tout, tu sens que c'est un truc où ils se sont lâchés. Et bon, sur la fin, c'est quand même plus sérieux, ils font gaffe. Mais tu sens que le début, les mecs ont lâché toutes les conneries qu'ils avaient. Et c'est génial. Et je crois que la saison 2 est en écriture. Ils cherchaient encore des sous pour monter épisode par épisode parce que ça coûte cher à monter. Mais voilà, elle est aussi sur Netflix. Et si jamais vous vouliez vous faire une série sur Netflix pour aider un projet qui devrait arriver, allez voir Last Man. Je pense qu'à mon avis, vous allez tomber sur un truc que vous n'allez pas voir souvent. Et les épisodes sont bien, les dialogues sont super bien faits, super accrocheurs. Il n'y a aucun épisode qui laisse du répit. C'est-à-dire que vraiment, t'es toujours en mode tu te fends la gueule de A à Z. Et moi, ça m'a fait plaisir, en fait, quand elle est arrivée, de voir une série française aussi bien faite, quoi. C'est vrai que ça me manque, ouais. Ça manquait un peu. Et puis merde, ça a permis aux deux mecs de créer Creapills. Et Creapills, vous avez un nombre de séries, mais juste ultra badass dedans, qui valent largement le détour. Donc voilà, mon petit test. Je vous ai mis le lien. Halluciné. Et voilà, le Last Man, si vous voulez vous taper une petite journée, je pense que ça doit être mangeable en une... Oui, binger la truc en une journée. Ouais, c'est assez court. Mais tellement bon. Mm. Et en fait, depuis tout à l'heure, je me retiens, mais j'ai envie de faire des jeux de mots avec Pierre qui roule n'a masse pas mousse. Ou... Mais tiens, entre ça et le chat... Pierre qui roule n'a pas de connexion, Pierre qui roule, on n'entend pas le micro, enfin je sais pas, plein de conneries comme ça. Mais... Parce que je sais que Pierre, après, il peut pas. Ouais, en plus. Ouais, parce que je vous entends, des fois je t'entends, mais ça coupe. Donc j'ai suivi la conversation, mais des fois ça coupe pas mal. Je sais pas si toi tu m'entends encore bien. Si, là je t'entends. Mais. Cool. C'est pas plus mal, je pense que nos prochains invités, si on en a, on va leur dire d'installer l'application parce qu'elle est quand même 10 fois mieux que la page internet en fait. Tout simplement, comme là il faut que tu gères ta connexion plus l'envoi de voix, c'est quand même plus compliqué que si tu as l'application, il a juste à envoyer le flux, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je pense que, ouais, effectivement, je prendrai l'application. Alors, sur Netflix, on nous conseille les films de Ghibli, effectivement, ils sont tous sortis sur le coup, et on a Lino Saperi Popet qui nous dit Pierre qui roule en T-Max. Voilà, c'est gratuit, je l'aime beaucoup. Pierre bon, vous savez quoi, on va lancer un concours dans le chat. Autant que Clément nous trouve un autre sujet, je veux que vous nous trouviez un jeu de mots avec un Pierre qui roule. Voilà, parce que au moins on se sera un peu fondu égal. Pour en revenir un peu à toi, Pierre, quand même, parce que bon, tant que t'es là, on va en profiter un peu. Ça t'est venu d'où la passion pour la musique? Hein, voilà, c'était très court. C'était court, super. Parce que j'ai rien entendu. Attends, vous m'entendez ou pas? Attends, bouge pas, je vais te retransférer. Hop. Là, c'est bon, je t'entends. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon. C'est bon? Ouais. Cool. Non, je sais même pas vraiment moi-même. C'est quand j'étais gamin, ma mère, elle m'a inscrit à plein d'activités. Je lui ai dit non, mais en fait, la guitare, et ça m'est resté. J'ai toujours fait de la gratte, et après, basse, etc. Mais voilà. D'accord. Ah, donc, tu étais multi-instrument en fait, tu fais pas que du chant, de la guitare. Non, pas du tout, parce que maintenant, avec Beyond Remain, donc j'ai repris le rôle de la basse. Alors, Clément, est-ce que ça coupe ou c'est moi?
Moi, ça coupe pas beaucoup, ça va, je comprends. Il manque 2-3 mots, mais je comprends quand même. D'accord, donc c'est vers chez moi que ça veut pas venir. Tac. Attends, bouge pas, je le renvoie et moi je me dé. Et voilà, me voilà de retour. Je pense que ce matin tout le monde est connecté, ça doit être pour ça qu'on a un peu plus de mal. Alors, on a une proposition dans le chat qui s'appelle Pierre qui roule en Clio 2. Alors, tu choisis, Pierre, est-ce que tu préfères le T-Max ou la Clio 2 maintenant? Bon, le T-Max, Clio il m'a 2. plus fait avoir ça. Moi, j'aime bien la Clio Le 2, je sais pas T-Max, il pourquoi. m'a tué. C'est un petit côté familial, tu vois. Du coup, j'ai pas repris, mais oh merde, j'ai perdu ma liste. Non, j'ai encore mes chevaliers. Clément, est-ce que tu veux un chevalier ou deux? Ah Parce que je suis vénère. oui. Alors, est-ce que tu connais le chevalier atmosphérique métal? Non. Non. Les écailles du dragon reflètent la lumière de la lune. La princesse est à son balcon et jette un regard mélancolique au loin. L'air sous les... enfin, l'air souffle doucement dans les arbres et dans ses cheveux. Pas de chevalier à l'horizon. Voilà, c'est atmosphérique métal. On a grain de métal. Le chevalier arrive, crie quelque chose de parfaitement incompréhensible pendant 2 minutes, puis repart. C'est ça de ouf. Allez, un petit Oh, dernier. c'est Le trop gore bien métal. Le chevalier arrive, tue le dragon en répandant ses entrailles devant le château, baise la princesse et la tue. Voilà, tu fais OK. Rebaise le corps mort, tranche son estomac pour le bouffer, lui bouffe ses tripes, la rebaise, puis jette la carcasse, la brûle, et puis finalement retourne sur le cadavre de la cassade et la rebaise une dernière fois avant de partir. Et tu fais, ah, c'est dégueulasse. Voilà, je t'ai gardé un peu la suite pour le raid parce que bon, celle-là, faut quand même le temps de la digérer. C'est voilà. Pierre, tu connaissais ce délire d'explication des types de métal avec le chevalier, la princesse et le dragon ou pas? Oh la vache, je sais pas s'il répond ou pas, parce que moi j'entends vraiment rien. C'est Tu bon? m'entends? Ah, Vous ça y est, m'entendez? j'entends. Ouais, tu C'est connaissais ou bon? pas? Non, mais c'est trop bien. Je connaissais pas du tout. C'est génial. Bah écoute, je te retrouverai un lien si tu veux, je t'enverrai, parce qu'on a commencé hier, mais je te trouverai le lien, je te le donnerai. Mais ça me fait mourir de rire, ouais. Ah, tiens, en parlant de ça, c'est quoi tes styles de métal préférés? Je suis rentré dans le métal par le thrash, en fait. Donc, ah ouais, je suis fan de thrash et tout. Aussi parce que bah, j'ai vécu dans les années 2000 fort. Oh là là, c'est dur. Et ouais, je sais pas si vous m'entendez bien. Vas-y, moi je Je sais t'entends pas. nickel. Bah, j'espère que ça passe à l'enregistrement parce que moi j'ai des coupures assez folles. Je te laisse répondre à la question, je déco, je reco, j'arrive. Je disais, j'ai dit le thrash metal, le metalcore. J'écoutais metal aussi quand j'étais jeune, pas mal de heavy. Ouais, après je me suis intéressé à... Ouais, j'entends plus personne. Là, je crois, je sais pas du tout. Je sais pas si... Je crois que t'es seul tout là. J'entends plus rien. Je sais pas si tu m'entends, mais... Je t'entends, j'arrive à t'entendre un peu. Ah, c'est bon, je t'entends. Ouais, du coup, je suis Ah, arrêté à du cool. métal. Mais ouais, c'est Ouais, cool. j'écoute super mal, j'écoute Je pas mal du pense que métal, c'est un parce que peu ouais, les je me suis... bases du métal, hein, de toute façon, de Heavy à l'ancienne, quoi. Totalement, et puis... Totalement. Il y a beaucoup de groupes médiatisés, quoi. Donc, rien que le Big Four, déjà, il y a de quoi écouter. Ouais, c'est clair. Enfin, je me suis C'est clair, beaucoup c'est clair. intéressé à ça, c'était cool. Ok. Alors, est-ce qu'on a perdu Gilles? Est-ce qu'on est Non, toujours non, en direct Gilles, déjà? non, non. Hein, c'est bon, t'es là? Oui, vous êtes toujours en direct, il n'y a pas de souci. Je vous ai écouté parce que j'ai mis le retour du live à écouter. Ça coupe un peu, effectivement. Moi, Mais j'entends plus du tout Gilles.
J'ai... C'est pas grave, on va faire autrement. mais non, parce que moi je l'entends. Je suis sûr. Hey, on va lancer un concours. Comptez le nombre de fois on a prononcé le mot entend ce matin. Ah putain, c'est énorme. Celui qui trouve le compte juste, tu lui offres un truc. Non, parce que je vais pas recompter ça. C'est mort. Je pense que je ferai un chiffre avoisinant, tu vois. Non, c'est juste, je me suis déco-reco pour voir si c'est ma connexion qui lâche, mais j'ai l'impression que c'est l'interaction entre ceux qui sont dans l'appli et ceux qui sont sur le truc internet, ça matche pas. On a eu le même problème avec Sam la dernière fois. Pierre qui roule sans micro. Pierre qui... Ah, moi, j'entends plus du tout Gilles, je crois. Je ne comprends pas, moi. Pierre qui roule libre. Est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Eh oh. Yes. Oh putain, qui a fait cette blague? Désolé. Hey, tu vas t'en remettre. Si tu es toujours fan de trash, je te conseille un groupe qui est passé chez nous qui s'appelle Hot Red Dusk. Je sais pas si tu les connais, Pierre, mais je t'engage à aller découvrir, ça vaut largement le détour. Bon bah du coup, comme il répond pas, on va faire une petite pause et puis on va se mettre à la traite de... Ouais, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat là? Parce que j'ai pas le chat sous les yeux. J'en sais rien parce que là je suis en train de chercher une chanson et avec mes yeux c'est vachement compliqué. À traite dusk, vas-y, c'est parti. Attends Clément. T'arrives à l'entendre, Pierre, là, ou... Là, de temps en temps, ça... Mais ça il coupe... Il vient de disparaître, en fait, carrément. Sa connexion a lâché. Oh. Oh putain la vache. C'est pas ma connexion. Bon, du coup, je lance une petite musique et on revient tout de suite. On va sur un petit trait de dusk en mémoire au trash, tout simplement. We'll be right back.
Et voilà, c'était à Thread Dusk, un petit morceau de trash donc vous faire plaisir à l'invité. On va lancer le combat d'anecdotes. Alors vous savez maintenant, pour ceux qui sont habitués de l'émission, ce que c'est. Le sujet, ça va être l'apéro, et va faire sortir votre plus belle anecdote d'apéro, tout simplement. Et on choisira pas un vainqueur, mais c'est juste hors de son de la gueule. Clément, juste avant de commencer, je vais te faire un petit chevalier en plus. Mais vas-y. C'est cadeau, parce que je suis là. Chevalier néo-métal, ça te dit quelque chose, le néo-métal? Bah oui. Bien sûr. En fait, le chevalier, il arrive, il flippe quand il voit le dragon, alors il reste devant les Douvres en faisant une petite obscène à la princesse, puis il repart dans sa forêt. Ouais, c'est ça. je sais pas qui avait fait ce truc à l'époque, mais le mec a dit j'ai fait ça pour expliquer le métal à mon fils. T'es en mode le pauvre gamin. Du coup, on va commencer par toi, Pierre. Est-ce que tu as une anecdote drôle pour ce combat d'anecdotes sur le terme de l'apéro? C'est à cause du radis qu'on a dit que c'était l'apéro. Écoute, j'ai pas forcément d'anecdote drôle, mais si je réfléchis bien, il m'est arrivé de péter un nombre de chaises. J'ai dû péter une de chaises. Je sais pas pourquoi. Vous savez, les espèces de chaises en plastique pas chères, en petit plastique, ouais, dehors, et tout. Ouais. Le truc qui pue, putain, quoi, c'est toujours. C'est ça. Et eh ben c'est toujours sur moi que ça tombe. Voilà, j'ai dû péter une dizaine de chaises en plastique pendant des apéros, mais facile. Alors, putain, je sais pas pourquoi j'ai le chat qui a été mis en pause. Du coup, j'ai. Alors dans le chat, si vous avez donné des anecdotes, relancez-les, parce que là j'en avais plus aucune. Je sais pas pourquoi moi il s'est mis en pause de mon côté, ce con de chat. Il va falloir que je voie pourquoi ça se met en pause et je vire ce truc tout simplement. Mais bon, ton anecdote, c'est quoi? Attends, je réfléchis deux secondes. Avec quelqu'un d'autre. T'es pas habitué, c'est ça? Mais non, mais juste, j'ai pas... sur l'apéro... Alors, j'en ai une qui vient de tomber. Shane qui fait « Je suis plutôt réservé et je ne bois pas souvent. » Eh ben, c'est tout à ton honneur. Mais des fois... Je bois et ça peut me transformer. Un jour, j'ai fait toute l'animation de la soirée comme ça. Et un autre jour, j'ai dragué un collègue de bureau en lui disant « Tu veux un verre? Tu veux un bisou alors ?» Ah ouais. Chan qui, quand boit un coup, se transforme en dragueuse, mais un peu lourde. J'imagine le... Mais j'espère que ça s'est bien passé avec ton collègue, parce que j'avoue que c'est un angle d'attaque. « Tu veux un verre? Tu veux un bisou ?» Ah, c'est hardcore quand même. Hein. T'as la classe. Ça fait un peu beauf, tu peux le dire. Bah, je sais pas s'il y a un équivalent de beauf en féminin. Pour moi, beauf, c'est forcément masculin. Non, ça, je te confirme que non. J'étais sûr que ça t'énerverait. Mais non, mais l'angle d'attaque, tu veux un bisou, tu veux un verre, tu veux un bisou avec. J'adore. Moi, je pense que tu me fais ça en vrai, je suis mort de rire en fait. J'ai jamais vu ça. Alors moi, c'est génial. Moi, j'ai une anecdote, mais alors surtout, ne refaites jamais ce que j'ai fait. J'ai atteint des sommets de l'alcoolisme ce jour-là. Sortir le petit rhum à 4h du mat. Non, j'ai fait pire. J'ai fait pire. Comment c'est l'apéro? Alors, je dois aller à un anniversaire. C'est une très très bonne amie. Et j'y vais avec un mec qui doit faire 2m20, 200 kilos, mais c'est pas que du gras, tu vois, c'est une belle bête. Et en arrivant là-bas, on voit qu'on va être un peu les seuls à picoler. Et du coup, il me dit, bah vas-y, je te prends. Le premier qui se couche a perdu. Donc je me retrouve face à ce monstre. Heureusement, j'ai mon passif de gérant de bar, et je commence à faire des cocktails. Et en fait, les cocktails, bah, je commence à les faire pour moi, pour lui, et aussi pas mal de gens de la soirée, donc tout se passe bien. Mais moitié de la soirée, je vois mon grand gaillard qui tombe, mais tombe raide mort. Je fais « Ah, bon, ben, je suis tout seul et tout. » Et pendant la soirée, j'ai aussi une demoiselle qui commence à squatter mes genoux, à me draguer et tout. Et bon, ben, c'est cool, tu vois, tu lui fais des cocktails, t'as le droit à un bisou, un peu de drague et tout, c'est cool. Puis à un moment donné, quand même, ça me fait chier parce qu'il n'y avait plus grand monde qui picolait, je sors. Et je vois, en fait, tout le monde est en rond, en train de fumer et des cigarettes magiques. Je sors et je vois les mecs. Je suis « Ah, bah d'accord, les alcooliques à l'intérieur, les drogués à l'extérieur. » Et le mec, il me fait « Ouais, t'es où ?»
Sur le palier, leur fait tourner. Du coup, je me retrouve avec eux dehors à faire tourner les cigarettes magiques. Je découvre que cette fumette me retire complètement les effets de l'alcool. Donc, je retourne casser l'autre moitié du bar tout seul. Et la demoiselle qui me taguait commence à revenir boire avec moi et être de plus en plus entreprenante. Mais vraiment entreprenante. Et donc, t'imagines que je suis dans un état, c'est même plus second, c'est un état tertiaire, voire au moins 4, tu vois, parce que t'as un taux d'alcool dans le sang qui commence à péter les plombs. Et donc, j'ai la demoiselle sur les genoux, on n'était plus que deux à boire, donc on passe un bon petit moment. Et en fait, je vois la copine qui fête son anniversaire, qui arrive et qui me fait « Mais Gilles, tu fais quoi avec ma belle-sœur ?» Et bah, je te jure que même pas tout ce que j'ai bu, j'ai dessoulé en un coup. Ça m'a calmé en deux secondes, j'étais pas au courant. C'était sa belle-sœur, elle était mariée et elle avait un mari, mais qui était pas à la fête. Clément ? Ah merde, ils m'ont pas entendu. Clément, il faudrait que tu remettes ton micro, s'il te plaît. Pierre ? Tu m'entends ? Ouais, voilà. Bah, je sais pas, j'attendais que quelqu'un réagisse. Je me suis retrouvé tout seul comme un con. Moi, j'étais mort de rire, mais je crois que tu m'as pas entendu. Ça doit être ça, ouais. Mais le malaise, hein, je te jure, je devais être à 3-4 grammes, et là, d'un coup, plus rien. Mais vraiment plus rien, en mode, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trop flippé. Je suis parti. D'ailleurs, je suis parti direct de la soirée, je suis parti en courant, quoi. C'est... Je suis jamais revenu. Mais elle est dure, celle-là, quand même. Putain. Ouais, mais à l'époque, j'avais une jeunesse un peu mouvementée, quoi. Ah, va falloir qu'on m'explique pourquoi Clément a coupé son micro et qu'est-ce qu'il faut. Parce que voilà, on n'a plus de nouvelles. Ah, Gilou, j'ai cru que t'allais raconter ton histoire avec les voisins. Non, mais non, celle-là, je voulais... Du coup, c'est pas drôle. On t'a entendu. Bah, c'est bon, vous avez répondu. Alors, pour les anecdotes, tu la connais. Guinness Taverne. Ah, j'en ai une. Je peux te la raconter, Croque, si tu veux, si ça te tente. Est-ce que ça te tente, Pierre, une vraie histoire de déchéance ? Moi, je suis chaud. Je suis chaud à écouter. Alors, celle-là, c'est Croork. c'est donc mon petit frère. Il chope ses 18 ans, je crois. Ça devait être comme ça. Et du coup, on décide... Bah, tu connais la tradition. Hein, tu l'amènes avec tes copains dans une barre et tu lui mets une quille. Je l'emmène en Guinness Taverne, on commence à picoler. Le truc, c'est qu'on s'était dit quand même, on essaie de pas trop finir tard, parce que le lendemain, on déposait un pote chez sa nouvelle petite amie qui habitait à 100 km d'ici. Donc, tu vois le trajet. Effectivement, ok. Et finalement, on l'amène et tout, on va en Guinness Taverne, mais comme on est des gens très très adultes, on est très très sérieux, il prend une race, mais la race de sa mère. Il en est un peu à un moment donné. Yo Clément, merci de ton... Oh putain. J'arrivais pas à me connecter. D'accord. Du coup, t'as loupé mon anecdote, mais c'est pas grave, je te la raconterai en un truc. Donc, je suis sur l'anecdote de Croork. Donc, en fait, 18 ans, on devait aller le lendemain faire un voyage pour un pote, le ramener chez une petite copine. On avait 100 bornes, 100 pendant tour à faire. Mais bon, le soir, fait, c'est que ce mon petit frère est raide déchiré à la Guinness Taverne. Il en est à un point où, à un moment donné, il a gerbé un truc rose fluo sur la table. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais le patron du Guinness Taverne, à l'époque, je le connais. Le mec arrive, il est mort de rire, il met un coup de torchon, ramasse tout ça, il nous regarde, il fait « Bon, bah faut le désinfecter, qu'est-ce que je lui mets ?» Donc, on repart sur de la Guinness. Mais le truc se finit pas là, c'est qu'on part... alors, pour des mecs qui devaient rentrer pas trop tard, on quitte la taverne, il devait être pas loin de 4h du mat'. On se retrouve sur l'autoroute. Pour ceux qui connaissent, c'est au niveau de l'échangeur d'Arpajon, juste avant. C'est une espèce de deux voies, grosse d'autoroute de malade, tu vois. Et à un moment donné, on entend que mon petit frère commence à tousser à l'arrière. Et on sait qu'il va gerber. C'est qu'il n'est pas bien, ça va mal finir. Et je lui fais, putain, dis-nous si tu gerbes. Parce qu'on s'arrête sur le bas-côté. De toute façon, il est 4h du matin, il n'y a personne sur l'autoroute, c'est bon, tu vois. Et donc, il faut savoir, c'est que moi, j'étais à l'avant droite de la voiture. Clément, tu peux finir ton yaourt après, s'il te plaît. Et que mon petit frère est à l'arrière gauche. Et donc, on roulait sur la voie droite et j'entends gerber et il me fait « Non, non, t'inquiète, j'ai vomi dans mes mains. »
le coup de stress, on met un coup de volant, on va direct mais dans le gravier pour essayer de finir ça, qu'ils finissent mais en dehors. Lui, complètement torché, sort de la voiture et commence à traverser l'autoroute. Dans mes mains. Non mais, il traverse l'autoroute ce con, donc on se dit, il va se faire éclater par un camion. On va le ramener. On arrive à le ramener, on arrive à le gerber, finalement on rentre à la maison. Je lui dis, allez, fous-toi à poil, va te coucher, va prendre une douche. Nous, de notre côté, on commence un peu, tu vois, à nettoyer la bagnole, mais on n'en pouvait plus, quoi. Et en fait, le drame de cette soirée, c'est que le lendemain, on a dû se taper les 100 km aller, les 100 km retour pour mon pote, hein, pour qu'il aille rencontrer sa nouvelle petite amie. Et on l'a laissé là-bas, d'ailleurs. Mais on a dû le faire par un froid. Il faisait moins 3 dehors. Et on a dû le faire les fenêtres vitres ouvertes parce que ça puait, parce que sinon, on se gerbait dedans. Donc, on était à 3 dans la bagnole, il faisait moins 3 dehors, il y avait un blizzard de bâtard, les fenêtres ouvertes, et je voyais mon pote, il conduisait avec un bonnet, une écharpe et des moufles. On a failli crever. C'était... Il y a mon petit frère qui fait, je me rappelle juste être rentré dans la voiture, être ressorti, entre-temps, je me rappelle pas. Bah, t'as vomi sur la N7. Voilà. quasiment sur l'échangeur d'Arpajon, je peux te le dire. Maintenant, tu t'en rappelles. Voilà. C'est génial. J'ai raconté celle où, mais tu la connais, celle où je suis sorti, il y avait des mecs qui fumaient dehors et moi je buvais à l'intérieur. Voilà. Ah oui. Tu vas remonter en off. Je remonte le chat pour voir si, si certains en ont eu. Premier Watercoolix, c'est bien. Ah non, il n'y a pas eu de concours d'anecdotes, les filles. J'attendais qu'on ait un peu plus d'anecdotes sur ce coup-là, mais voilà. Après, l'apéro, c'est chaud quand même. Hein. On a tous fait un apéro, du coup, normalement, on a tous une histoire à raconter. Bon, moi, j'en ai pas spécialement. Mes apéros sont très... Oui, moi, je me rappelle plus, peut-être, surtout, je crois. C'est surtout ça. du coup, on va dire bonjour à Famusp, parce que je te connais pas, mais je vois ton pseudo, t'as l'air d'être nouveau, à Lemon Juice, à Ruber Slayer... Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a des petits nouveaux. Donc, et que des nouvelles têtes. Mais c'est cool. Pour vous résumer, là, c'est une petite quotidienne pour qu'on discute entre nous, qu'on sente la gueule pendant le confinement. Et il y a une grosse émission le vendredi soir, tout simplement, pour là où on présente des vrais groupes et tout. C'est une émission un peu plus construite. Bon, là, c'est un peu plus compliqué avec le confinement, mais normalement, en studio, c'est quand même vachement plus drôle. Après, j'ai des histoires, mais c'est pas drôle. Non, bon, on va rester sur les histoires drôles quand même. Clément, ça s'appelle pas un apéro, ça s'appelle une cuite. Joli. je connaissais pas la différence. Chen qui fait du genre la copine bourrée qui me fait saigner les lèvres en me frappant avec un sac. Alors, t'as de la chance. Moi, j'ai un pote bourré un jour comme ça qui m'a planté au moins 5 cm de couteau dans la cuisse. Le mec était énervé en mode que pour moi. Ah, vie, c'est de la merde, les politiques, machin. Et il a voulu taper le couteau sur la table. Pour faire du bruit avec la lame. Ce con, il s'est loupé, il me l'a planté dans la cuisse. Il m'a trouvé avec un couteau dans la cuisse. J'ai fait « Ah !» Je lui ai démonté sa gueule ce soir-là, il a fini KO. Pierre, est-ce que tu as une anecdote ? Autre anecdote ? T'en avais déjà donné une ? Ouais. Non, moi, c'est... Comme t'es l'invité c'est de ce plastique. Aujourd'hui, vas-y, on profite. Je sais pas si j'en ai d'autres. Non, je suis très ennemi avec les chaises en plastique, mais... J'ai d'autres. Non, mais. Je te vois bien arriver, tu sais, à un barbecue, t'as les chaises en plastique, mon plus vieil ennemi. Vraiment ça, la chaise en plastique un peu fine comme ça, à chaque fois, tu vois, je me mets assis dessus, à un moment dans la soirée, elle va péter. Et c'est certain, et ça m'est arrivé des dizaines de fois, mais vraiment. C'est l'enfer. Mais tu te balances, tu danses. Non, pas du tout. Je suis un petit peu lourd, mais vite fait, tu vois, je sais pas. Je fais. Attends, on n'a pas entendu ton poids, ça a coupé, mais moi, mon grand, je fais 120 kilos bien tassé, donc un petit peu lourd. C'est pas moi qui. Voilà. Tu vois, moi, je suis pas si lourd que ça, et à chaque fois, je sais pas, je pète la chaise en plastique, c'est obligatoire. Je sais pas ce qui se passe, j'ai une malédiction avec ça. Et... Oh mon dieu, non, mais j'avoue que bon. Du coup, ouais, non, mais par contre, j'avoue que les apéros, moi, je vais peut-être m'estimer chanceux, Clément. Mais ça a rarement mal fini. C'est toujours resté bon enfant. Bon, des sacrées cuites. Ah oui, mais moi c'est pareil. Il n'y a jamais eu
jamais eu d'embrouille de trucs, de baston. Par contre, moi, j'avais des potes comme ça qui, des fois, enfin, con, hein, mais j'avais une pote qui avait des idées à la con qui nous ont fait aller dans des strates de l'alcoolisme qui sont violents. J'avais une pote qui faisait super bien le crumble aux pommes. Elle le fait encore super bien. Et c'était une tuerie. Et la croure qui va savoir de quoi je parle. Sauf que le pépin, c'est qu'elle le coupait en plein de petits cubes. Et elle te disait, un tequila paf égale un petit cube. Donc il fallait faire un tech paf et t'as le droit à un petit cube de crumble. J'adore le crumble. J'adore trop le crumble. Cette soirée-là, on a fini devant la piscine municipale. J'ai fait un tech paf avec une demi-bouteille. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai croqué une poignée de sel, j'ai claqué la demi-bouteille et après j'ai bouffé le citron en entier, tu vois. Pour finir le truc. Mais non, mais c'était toujours des paris. Nous, autour des apéros, on avait toujours des paris à la con. Et c'était horrible. On me dit tu finissais mal avant de finir le truc, avant de finir le crumble. Ouais, mais on l'a fini à chaque fois. Bon, on était dans des états pas piqué des hannetons, comme dirait le vieux. Non, 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 non. Oula. Pierre qui s'est fait agresser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi. J'ai entendu aussi, mais ça venait pas de moi, je crois. Ah, je crois que c'était toi, j'ai cru voir mon micro bouger. Il y a Chen qui dit on a eu un Noël que j'ai passé en Savoie pendant une saison à 23h. On est tous allés faire de la luge dehors. Oh putain, j'ai déjà fait ça, c'est génial. Deux jours après, j'avais la grippe. Mon cul avait été trempé par la neige. Je n'étais pas changé, tout ça à cause d'un pont. D'un ponche, bien sûr. Ma pauvre. Est-ce que je vous en rajoute une comme ça pour le LOL ou pas? Ouais. Ok. On est en Suisse. ce jour-là, j'ai failli finir en taule, pour de vrai. On est en Suisse, on est en colo. Le Gilou kiffe le snowboard. Et on sait pas qu'on fait un apéro. Enfin, normalement, on devait pas faire d'apéro parce qu'on n'avait pas le droit. Mais techniquement, tu sais ce qu'on avait fait? On avait planqué le whisky dans le coca, machin et tout. Bon, les moniteurs étaient pas dupes, on s'était un peu torché la gueule. Et en fait, la piste, faut savoir, c'est que quand tu sortais du chalet, t'avais genre 200 mètres de neige, t'avais une tranchée parce que t'avais une route, mais genre la tranchée, elle faisait un mètre. C'était un mètre plus bas de neige, t'avais vraiment la route. Tu passais cette tranchée, donc t'avais re une autre tranchée de 1 mètre, et t'étais sur la piste. Et donc, c'était cool parce qu'on avait une piste juste en face du chalet. Donc, on part tous en mode « Ouais, trop lolo, yolo, yolo, ma gueule !» peur de mourir, on part avec nos snowboards, mais on part pas faire du snowboard, on part faire de la luge avec nos snowboards. Je sais pas si t'as essayé ça, Clément, mais te mettre en position assise, luge, sur un snowboard, ça va à une vitesse, c'est monstrueux. Pire chose à faire, en plus, le snowboard, c'est ultra coupant sur les bords. Ouais, enfin, comme les skis, d'ailleurs, mais... C'est trop drôle. Et en fait, on avait un truc d'espèce de car crash, tu vois, c'était vraiment, on partait tous ensemble, et le seul mec qui arrivait vivant en bas de la piste était considéré comme vainqueur. Donc, il faut imaginer ta grande piste qui descend, la tranchée, avec un trou de 1 mètre, et ensuite, le petit chemin qui va jusqu'au chalet. Et donc, on commence à partir comme des bourrins, et je sais pas, ce soir-là, je suis magique. J'arrive à tout esquiver, j'arrive à me sortir, machin, j'envoie 2-3 mecs dans le décor et tout. Mais j'arrive trop vite, vraiment trop vite, et je vois cette tranchée-là, et je me dis, putain, je vais me planter et tout. Et je sais pas comment, j'arrive à peu près à gérer un truc et la tranchée se transforme en tremplin pour moi. Donc je vole par-dessus cette tranchée et juste en dessous, je vois une voiture de flic passer. Mais vraiment, tu sais, genre je passe au-dessus en mode désolé. Voiture de flic, je fais oh putain, je suis mort. Les gyros qui s'allument, je fais oh là, c'est bon. Du coup, j'atterris comme une merde et en fait, j'ai tiré, je suis allé me planquer dans de la poudreuse avec mon snowboard. En planquant sous la poudreuse, les flics sont venus, ont demandé au chalet s'ils n'avaient pas vu machin et tout. Ils ont dit non, non, on n'a pas vu, nanana. Ils n'ont rien dit, tu vois, ils n'ont pas balancé. Parce qu'il y avait la moitié de mes potes qui étaient encore planqués dans des bois parce qu'ils avaient atterri comme des merdes avec leur snowboard, tu sais, en dehors des pistes et compagnie. Finalement, la police suisse repart. On se retrouve à tous rentrer. J'étais trempé. J'ai passé le reste de la semaine, mais grippé comme un porc, j'en pouvais plus. Mais voilà, du coup, j'ai réussi à faire un saut en snowboard au-dessus d'une voiture de flic. J'étais trop fier de moi, même si j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Excellent. Ah là là là, des bonnes anecdotes. Bon,
Est-ce que Pierre est encore avec nous? Moi, je suis toujours là. Je sais pas si vous m'entendez. Ah bon, on t'entend bien, c'est ça le pire en plus. Du coup, est-ce que Clément, t'aurais une petite chanson? Parce qu'après, on va arriver dans le dernier quart. Du coup, on va faire le tour de table. Une chanson. Qu'est-ce qu'on a pas passé? Alors, j'ai un Fatal Facial. Et j'ai un Farewell de Stenson. Ah, Far, on a passé il y a pas longtemps. Fatal, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis. Une Fatal Facial? Bon, bah ouais. Voilà. Eh bien, écoute, je vais vous descendre gentiment sur la piste en dessous, et puis on se retrouve tout de suite pour les derniers mots. Hop, ils sont dégagés, je vous envoie le son, et à tout de suite les redises. Pardon, et voilà faire comment faire une reprise pas propre. C'est tout simplement, t'écoutes pas la fin de ta chanson et tu te rends compte que tu arrives beaucoup trop tard. On a Chouki qui aurait besoin d'un... On n'a pas vraiment d'annonce aujourd'hui. Peut-être que ça va arriver. Mais on a Chouki qui aurait besoin d'un conseil. Est-ce que Chouki, tu veux venir directement au micro nous en parler en direct? Ou sinon, tu peux balancer ça à l'écrit, même sur le Discord ou en privé si tu veux. Et on, bah écoute, on va te répondre à ton conseil parce que c'est un peu le but du jeu de cette émission. Tous les jours, c'est de la libre antenne. C'est fait pour que vous veniez parler, annoncer des choses, demander des conseils. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Et puis, bah, le vendredi soir, c'est plus une émission pour présenter les groupes, même si là, en confinement, on n'a pas le studio. Et du coup, c'est un peu la merde. Ça nous fait un peu chier. Mais du coup, Chouki, envoie-nous ça au plus vite. Dis-moi où aller sur le Discord. D'accord, bah écoute, je t'envoie ça le plus vite possible. Une invitation. J'aime bien comme ça le truc complètement en direct. J'ai une annonce. Merci au client qui est venu donner du travail avec une grosse commande. Et bah écoute, Krork, c'est cool. Ah, mais t'es encore au boulot, Krork, c'est-à-dire qu'il nous écoute au taf. T'entends ça, Clément? Ah, on n'a plus Clément. Ça veut dire surtout que tu fais chier tous tes collègues de boulot avec nous, et ça, croire que c'est magnifique. Ça me fait bien rien.
Alors Clément, je vois ton écran, je vois ton micro qui bouge, mais je ne t'entends pas, c'est bizarre. Est-ce que Pierre, tu es encore avec nous? Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la connexion est en train de nous chier dans les pattes. Ouais. Ah, ça y est. Je sais pas. Oh putain, mais je vous entendais plus. Du coup, je sais pas ce que t'as dit, Chouki, est-ce qu'elle est venue? Je sais pas, j'ai pas compris. Elle va essayer de nous rejoindre, elle a un conseil à nous demander. Et, ok. Krourk a eu une grosse commande, donc il est content. Mais Krourk est encore au boulot en train de faire chier ses collègues en écoutant la radio. Et ça, ça me fait. C'est trop bien. attends, qui est tout le chat vous en avez besoin. Ah non, t'es tout seul au taf. Eh ben écoute, ça veut dire qu'il a, il a pété le son au taf. Hein, il y a du fréquence métal à toute bourre. Bah, écoute, ça fait plaisir. Moi, franchement, ce qui me fait plaisir, c'est que cette quotidienne, on voulait la lancer en mode limentraine pour que vous puissiez en profiter pour parler avec nous. Bon, là, la connexion n'est pas très effective aujourd'hui, mais hier, ça marchait super bien. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien, mais c'est surtout qu'en fait, vous êtes tous présents. Donc, du coup, ça fait plaisir de monter une quotidienne où, bah, en fait, il y a des gens. Simplement, on n'est pas tout seul à parler comme des cons dans le micro. Donc, du coup, c'est assez plaisant. C'est le petit rendez-vous qui me plaît de plus en plus. Même si je vous avouerai que j'ai de plus en plus de mal à me lever le matin. je dénoncerai pas pour ça. Alors. Il me semble pas que ça marche. Ok. Bah, au pire, écoute, écris ta question dans le chat et puis. Ouais, c'est bizarre parce que la dernière fois, t'avais réussi à te connecter. Non, mais est-ce que tu as un micro et tout aussi, peut-être parce que... Oui, parce que la dernière fois, on a papoté ensemble, donc c'était pas un souci. Ok. Bah, je sais pas. Mais ce matin, c'est bizarre, ça fait de la merde un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça bug un peu. Tiens, je t'ai renvoyé un truc, Chouki. Retente dans le Discord, on sait jamais. On va me dire à l'autre, on sait jamais, sur un malentendu, ça passe. Mais la ref est vieille, je sais même pas si toi ou Pierre avait cette ref. Clément ? Oui. Non, tu l'as la ref, si je te dis sur un malentendu, ça passe ? Non, tu l'as ? Je sais pas, j'ai peur. Putain, c'est Jean-Claude. J'ai peur. Elle est bronzée ? Mais oui, elle est bronzée. Ah, ça y est, je crois qu'on a Chouki. Yo, bienvenue Chouki. Ça marche là? Ouais, yes. Excellent. Yeah. Juste un petit truc, genre si tu veux des conseils pour t'aider à te lever le matin, je peux te donner toute ma routine de te lever à 7h30 et faire... Allô, vas-y. Vas-y, Chouki. Allô, il y a quelqu'un? Ça m'a coupé. Vas-y, tu peux y aller. Oui. J'ai l'impression que quand tu commences à faire des phrases de plus de 3 mots, le Discord, il coupe. Il est en avant. Le Discord, il est en grève, en fait. C'est un truc de fou. Du coup, c'était quoi Alors, tu voulais donner des conseils ou avoir un conseil? Bah, je voulais avoir un conseil, mais comme tu disais, c'est de plus en plus difficile pour se lever le matin. Je peux te dire, si tu veux, le matin, je t'appelle à 7h30, tu fais du sport avec moi. Non. Parce que, officiellement, là, 7h30, j'ai été couché seulement depuis 1 heure. Donc non, on va éviter. Puis c'est pour ton okay. Cas. Parce que je te jure que ma gueule au réveil, il y a plus d'un pays qui déclare la guerre. Hein. C'est officiel, hein. Du coup, tu cherches un conseil sur quoi, dis-nous? Alors, j'ai besoin d'aide de gamers, et donc je me dis que de en avoir parmi la communauté. Oui, très peu, c'est possible. Alors, j'ai une Nintendo 64 et deux Game Boy qui ont décidé de ne plus marcher depuis que j'ai déménagé, et je pense que c'est un problème d'humidité, donc j'aurais voulu savoir s'il y a des gamers qui voudraient bien m'aider à les démonter pour les nettoyer à l'éthanol et tout, ou qui connaîtrait au moins des adresses de gens qui prennent pas un bras pour t'aider à réparer tes vieilles consoles. Alors, t'es dans quel coin? Vitry, mais je peux me déplacer partout sur Paris après le confinement et tout, quoi. Pas de problème. Bah, à la limite, si un jour ça te tente, viens à la maison, en fait. Parce que moi, je suis pas loin, aussi loin de Vitry que ça. Et démonter tout ça, ça demande juste quelques tournevis. Et après, ouais, tu fais à l'alcool à 90, c'est le mieux. Parce que ça s'évapore tout de suite, mais ça dérouille tout.
Allô, allô. Mais j'ai trompé de touche. Tu sens que ça fait 5 secondes que tu essaies de parler, mais ça répondait pas. Tu as vu toutes les galères que j'ai eues avec les touches pour parler. Non, officiellement, je suis pas si loin de Vitry et les Game Boy, j'en ai déjà démonté plus d'une. Et si vraiment un jour tu veux me démonter ta 64, je pourrais venir croire qu'à la limite et puis viens à la maison, c'est pas un souci. Ça, je peux te filer un coup de main. Bah, je veux bien parce que je suis trop triste parce que j'avais acheté des nouveaux jeux. Enfin, des nouveaux jeux. De N64, j'avais acheté des jeux auxquels je peux pas jouer. Parce qu'il y a. Genre, en gros, il y a le son qui passe, mais pas l'image. Et je sais, je suis quasi sûr que c'est un truc limité parce que c'est depuis que j'ai déménagé, quoi. Ouais, alors, en plus, c'est un problème qu'il va falloir. Bon, déjà, essaie de les mettre dans un endroit sec tout de suite, histoire que ça avance pas. On peut, dans un premier temps, je peux toujours conseiller de démonter proprement, faire gaffe, ou partent les pièces. Et l'alcool à 90, parce que ça permet de dérouiller, de. On avait pas mal de trucs, mais comme ça s'évapore vite, ça aggrave pas le problème. Par contre, si c'est des pièces de remplacement, là, j'ai pas encore de bonnes adresses parce que le rétro gaming fait que maintenant, le moindre remplacement, ça coûte une blinde, quoi. Ok, bah, moi je veux bien déjà avoir une aide pour démonter parce que ça m'embête pas de démonter toute seule, mais j'ai trop peur de faire une couille. Donc, démonter avec quelqu'un qui sait démonter ce genre de console et tout, c'est pas trop dur. De mémoire, la 64 et les Game Boy, c'est vraiment des machines à l'ancienne. C'est-à-dire que quand tu démontes, c'est vraiment, c'est limite, t'enlèves le capot et t'as toute la carte mère qui est visible. Donc, c'est pas... sachant qu'en plus, j'ai une de mes Game Boy qui est transparente, alors oui, je suis d'accord avec toi. Alors, t'as Croure qui donne une très bonne idée et que j'ai complètement oublié. Si tu veux retirer une bonne partie de l'humidité sans démonter, plonge ta console dans du riz. Mais j'ai pas 5 kilos de riz. Une console, c'est pas la taille d'un téléphone. Ah, tu le manges après, mais c'est du riz sec. Mais après, je vais essayer de démonter, mettre de l'éthanol et après mettre les différents composants dans le riz. Mais... Ah, c'est dommage parce que non, dans un premier temps, mieux vaut mettre la console dans le riz. Je te jure que le riz, c'est ultra absorbant et ça marche vachement bien. Mmh. Ouais. Bah, faudrait avoir autant de riz, quoi. T'es 5 kilos de riz. Hein. Ah, mais moi, ça m'arrive d'acheter le riz par 5 kilos. Bon, après, je passe pour un baiser quand j'arrive devant la caissière, mais c'est pratique. Non, mais moi, je mange pas de riz. J'ai genre peut-être 100 grammes de riz chez moi, c'est tout. T'as croire qu'on voit t'es en confinement ou pas? Si t'es en confinement, tu dois avoir du riz. Bah oui, madame, c'est la base de la survie, voyons. Sans trash talk. Bah écoute, voilà nos deux petits conseils. Après, si un jour tu peux, bah écoute, passe à la maison, je te filerai un coup de main sur ce que je peux. Bon, voilà, Quark, il va la réparer, il demande du travail, il se fait chier. Mais t'es un bâtard, toi, déjà qu'il bosse. Mais non, écoute, on verra ce qu'on peut faire. J'espère qu'elles sont pas mortes, parce que à sauver ces bestioles-là, c'est un peu plus compliqué. Mais après, j'ai peut-être 2-3 adresses de... J'ai une adresse près de chez moi d'un mec qui fait comme ça du bricolage, il va vérifier puis de changer les pièces pour pas trop cher. Donc on pourra voir ça, c'est pas un souci. Ok, merci du conseil. Je vais déjà essayer de faire ce que tu m'as dit, puis je te redirai où ça en est. Donc je répète, tu commences par le riz, et tu finis à l'alcool. on peut pas faire dans l'autre sens, parce que moi je peux faire de l'alcool. Non, parce qu'après, le riz va avoir une drôle de gueule. Tu sais, je vais la retrouver avec la Game Boy dans la... Avec le riz. Non, ça va être dangereux. Non, mais écoute... Et si je fais avec de l'alcool de riz, ça fait 2 en 1, on est d'accord. Non, parce que ça s'évapore pas assez vite. C'est l'alcool à 90 qui est bien comme ça, parce que ça s'évapore très vite avec un coton-tige, tu dérouilles tout ce que tu veux, mais l'alcool de riz, non, ça va abîmer. Ok, merci. Bah voilà, écoute, je te redescends un peu plus bas, comme ça on pourra discuter après. On va arriver sur les... Est-ce qu'il y avait... J'ai pas vu d'autres demandes dans le chat, mais n'hésitez pas. Nous, on va arriver sur les derniers moments. Pierre, est-ce que tu es encore avec nous? Pierre, nous t'invoquons. C'est la fin. Pierre qui roule, n'amasse pas de sous.
Je sais pas, tu m'entends? Oui, ça y est. Ah, cool, cool. Parfait. Donc oui, je suis toujours là. Alors, un petit conseil avant que tu partes, Pierre. La prochaine fois, installe l'application Discord. C'est quand même vachement mieux. Non, totalement. Tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est cool. Ça va être les derniers mots. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à la radio? Aux auditeurs, déjà, merci à vous. C'était un dernier mot parce que ça a coupé, on l'a pas entendu après. Attends, bouge pas, je te déco reco. Tac. Vas-y Pierre, réessaye. Vous m'entendez bien? Ouais. Je disais merci beaucoup déjà à vous deux pour le taf que vous faites et de nous avoir présenté et de m'avoir invité, c'est super cool. Et vous avez des super auditeurs, franchement c'est super sympa de faire l'émission, merci. Pierre, ça a coupé, à merci. Ça a coupé, à merci. Ah bah vous avez loupé, ouais, pas mal de choses alors. Non, ça a coupé au dernier merci. Quand t'as dit que vous avez de super auditeurs, merci. Putain, j'ai du mal ce matin, pardon. Dis, l'émission est super cool à faire, donc continuez comme ça, c'est vraiment sympa. Bah écoute, merci, c'est super cool. Clément, un dernier mot? Non, c'était cool. Je suis désolé pour la connexion de ce matin. J'ai pas suivi grand chose de ce qui se passait. Alors, c'est bizarre, mais c'est peut-être parce que t'es sur l'appli, t'as peut-être eu des mal à nous entendre, mais en vrai, moi, ça t'a quasiment jamais coupé. Ok, bah c'est bon à savoir du coup. Demain, je continuerai à parler, même si j'ai un doute. Je t'entendais super bien, donc je pense que c'est vraiment l'application doit se démerder pour gérer mieux que la page internet, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je le sais pour demain, et comme ça, même si j'ai un doute, je continuerai à te parler dans tous les cas. Ok, ok. Voilà. Bah écoute, moi, le dernier mot de la fin, ça va être... Je vais remercier donc Pierre d'être venu, parce que la découverte de ton groupe a été assez fun. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais Pierre... Ça tue, hein. Groupe... Non, ouais, déjà, ça tue ton groupe. Mais deuxièmement, j'ai jamais vu un groupe aussi réactif, parce que c'est Domino Media qui m'a présenté donc votre clip. Je dis à Domino Media, au milieu de 30 autres artistes, que j'ai bien aimé votre truc, qu'il fallait des couilles pour votre prise. Une heure après, vous me recontactez. Vous êtes trop au taquet. C'est hallucinant, les gars. Donc, juste bravo. Encore bien joué, parce que votre clip est juste génial. La reprise, elle est magnifique. Je comprends que la réussite soit derrière, soit là, en fait. Tout simplement, quand tu fais des choses bien, normalement, ça fonctionne. Je te remercie, Clément, d'être là, parce qu'il semblerait que tu es dans un état encore plus second que moi ce matin. Ce matin déjà, et puis non, c'est la merde. Ce matin, c'était quelque chose. Le réveil. Il y a un petit espoir pour toi, parce que moi, je viens de voir près de chez moi tous les paysagistes qui commencent à rebosser et tout, donc ça se trouve, il y a des entreprises de lignes électriques et compagnie qui vont rebosser bientôt, donc ça se trouve, ta fibre va bientôt arriver. Putain, ça serait trop bien, honnêtement. Ouais, parce que moi, je vois qu'il y a pas mal d'artisans qui retournent au boulot, donc il a dû se passer, comme je suis pas ce qui se passe à la télé, il a dû se faire un truc. Voilà, du coup, je vais remercier le chat et tous les petits nouveaux qui étaient là ce matin. Voilà, donc je vous remercie d'être là à cette quotidienne, c'est la troisième qu'on monte. On a encore un peu de mal à la préparer et à savoir comment on va la mener en bateau avec Clément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va la continuer avec vous et en mode libre antenne, parce que bah on se fend tout simplement la gueule avec vous. Et que le but du jeu de l'émission, c'était qu'on ait un petit moment chacun tous les jours à papoter entre nous, à tout simplement créer un peu de contact humain pour mieux passer ce confinement et se prendre la gueule. Donc ça fait plaisir que vous soyez là tous les matins. Et je voudrais vous remercier parce que je ne sais pas si tu as vu Clément, mais maintenant, on a carrément des gens qui sont là à 10h45 pile, c'est-à-dire qu'ils nous attendent. J'ai lancé le live, j'ai vu un message, bonjour, et j'ai fait ah ouais, il y en a qui sont vraiment au taquet. Mais ça me fait mourir de rire, je trouve ça adorable que vous soyez... Vous êtes plus au taquet que nous, quoi, c'est incroyable. Ah ouais, parce que moi, je m'étais levé une heure avant, mais j'ai lancé mon live en mode « Oh putain, c'est dans deux minutes, quoi !» Donc, vous voir plus au taquet que nous, c'est juste adorable, et ça me fait mourir de rire, et ça me donne envie tous les matins de me lever et de continuer. Donc voilà, et puis vous nous donnez une belle idée d'émission pour après confinement, je pense qu'on se fera une émission comme ça le soir... en mode différemment, mais vraiment libre antenne, parce que c'est un plaisir de partager avec vous. Donc voilà, donc on va se lancer une petite chanson de Faraway, parce que je trouve que c'était une bonne idée pour finir l'émission.
Et puis, bah, on se retrouve donc demain pour de prochaines aventures. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je vais vous redonner tout de suite. Parce que on y est souvent un bon paquet de temps l'après-midi, on y est aussi en journée, on y est un peu partout. Tout simplement. Pardon les gars, je suis sorti du live, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. oui. Rejoignez Discord parce que c'est un bon moyen pour nous, c'est un bon moyen pour papoter avec nous. Ça arrive qu'on y soit une bonne partie de la journée. De temps en temps, on y est avec Clément pour bosser entre nous. Mais ça m'est arrivé plus d'une fois de discuter avec vous l'après-midi et c'est toujours bah, juste un plaisir. Des fois, tu sais, quand tu te fais chier tout seul l'après-midi, tu vois un rodis qui débarque, bonjour, et tu papotes 2-3 heures avec lui, tu te rends compte que bah, le temps est passé vachement plus vite. Du coup, c'est super cool, profitez-en, ce Discord est là pour ça. Voilà, du coup, Clément, je vais t'envoyer avec tout le monde dans les néants d'un autre truc de ce yep. Discord. Hop, et on va se lancer le Far Away, et juste après, et ben on se dit tout simplement au revoir. Ah, tiens, si j'arrive à viser, bien sûr. Et parti.